Professeur Didier Raoult, comment mettre en perspective l'épidémie de coronavirus qui circule actuellement en Chine par rapport aux autres épidémies de maladies infectieuses respiratoires ? Ben, pour les épidémies de maladies infectieuses, des fausses alertes épidémiques depuis 20 ans se sont multipliées sans que l'on ait de conséquences ici. Il suffit de se souvenir, il y a eu l'épidémie de vache folle qui nous a interdit de manger du bœuf pendant quelques années, et puis l'épidémie d'anthrax qui était en réalité un phénomène d'un ancien employé de l'armée américaine qui a envoyé des spores d'anthrax à des politiques et des journalistes américains et qui a changé tous les laboratoires du monde à cause d'une faute de gestion d'un militaire américain. Ensuite, il y a eu de manière récurrente les épidémies d'Ebola qui étaient censées nous atteindre, ce qui est absolument invraisemblable parce que le mode de transmission ne permet pas son implantation ici, qui est restée une maladie qui est embêtante pour les Africains mais qui ne correspond absolument pas au problème des Français. Et puis, il y a eu les deux épisodes de grippe aviaire qui sont restés des épidémies pour les oiseaux et qui ont déclenché la production de vaccins complètement inouïs contre une maladie qui n'était pas une maladie humaine et qui a du coup entraîné une très mauvaise gestion de la vraie grippe qui était H1N1 ultérieure, bien que la grippe aviaire soit restée une maladie des animaux. Ensuite, il y a eu chikungunya qui donne des douleurs et qui a atteint la Réunion mais qui a tué personne en France métropolitaine. Il y a eu Zika pour lequel il y a eu quelques cas diagnostiqués rétrospectivement en France métropolitaine mais aucune hospitalisation ni aucun cas sévère. Et puis il y a eu le MERS Corona en Arabie Saoudite, dont il y a eu un cas importé en France en tout et pour tout. Et puis il y avait le SARS, pour lequel il y a eu un cas importé, qui est d'ailleurs passé à travers les filets l'aéroport. Et puis maintenant, il y a le corona chinois. Alors tout ça, si vous êtes curieux, vous regardez à l'aéroport, il reste des affiches qui sont les séquelles de toutes les peurs du passé. Et tout ça réuni, c'est probablement moins que les morts en trottinette. Alors donc... Il y a quand même une disproportion totale, si vous voulez, entre cette peur hallucinante et la réalité. Pour le MERS coronavirus, il faut là aussi mettre les choses en perspective dans les pneumonies. Donc les pneumonies, ça fait plusieurs, c'est-à-dire les infections respiratoires, ça fait plusieurs centaines de millions de personnes infectées par an, 2,5 morts. Les choses s'améliorent bien depuis une trentaine d'années, puisqu'il y a une trentaine d'années, il y avait 4,5 millions de morts par an. Non, il y a 2,5. Grâce à deux choses, les antibiotiques systématiques, parce que les gens, y compris qui ont des infections virales, sont partiellement sensibles aux antibiotiques et meurent surtout de surinfection, et la vaccination antipneumocoxique. Moi, je recommande aux gens qui ont peur actuellement d'infection virale de se faire faire la vaccination antipneumocoxique, quel que soit l'âge, parce que c'est la meilleure prévention, étant donné que ce sont souvent les pneumocoques qui tuent, par exemple. Dans la grippe espagnole, c'est essentiellement les pneumocoques qui ont tué les gens qui avaient une grippe virale. Si on reporte les choses, encore une fois, de cette dramatisation du coronavirus chinois, la semaine dernière, on avait 44 diagnostics de gens qui avaient des coronavirus non chinois, zéro chinois, hein, mais 44 des coronavirus qui circulent en France, hein, il y en a 4. On avait 2 morts par la grippe, on avait 1 mort par le virus respiratoire syncytial. On estime qu'il y a entre 5 et 10 000 morts par la grippe par an en France, 2 000 morts par virus respiratoire syncytial, peut-être 600 morts par les coronavirus qui circulent, et pour l'instant, 0 mort par le coronavirus chinois. Donc, si vous voulez, s'il y a à choisir quelque chose, ce n'est pas le coronavirus chinois qui est le plus inquiétant. La mortalité calculée du virus, pour l'instant, est surestimée, parce que c'est les cas graves qu'on teste en priorité. Et il est vraisemblable, quand on va étendre le nombre de cas testés, la mortalité qui est déjà pas très élevée, qui est l'ordre de 2-2,5%, qui est l'équivalent de ce que nous avons dans les autres coronavirus qui passent à l'hôpital, c'est la mortalité qu'on a, n'a rien de dramatique et la transmission probablement pas différente. Et on ne sait même pas si c'est un nouveau virus, puisque le moyen diagnostique qui vient d'être mis au point, bien sûr, et tout le monde est capable de mettre au point, là, il y a une restriction... De manière, parce qu'on est dans une situation de crise extraordinaire, mais en réalité tout le monde est capable de faire ça, nous on est capable de le faire, il y a même des réactifs commercialisés pour pouvoir faire le diagnostic de ça, c'est très simple d'en faire le diagnostic, c'est jamais qu'un coronavirus de plus. Et donc il est bien possible qu'on se rende compte que ce virus circulait avant,
Et simplement, comme on n'avait pas les moyens d'en faire le diagnostic, on ne savait pas. Il y a tellement de pneumonies que c'est bien possible que celui-là ait déjà circulé avant et qu'on ne l'ait pas vu. On verra bien, c'est l'histoire qui nous le dira. Pour l'instant, on n'en sait rien. Voilà, donc je crois qu'il faut remettre ça en perspective. En pratique, depuis 20 ans, il y a une seule maladie émergente qui soit visible au niveau mondial, c'est-à-dire qui modifie quelque chose. C'est l'épidémie de Clostridium difficile qui doit tuer 80 000 personnes par an. Donc vous voyez que le SARS, on dit, c'est 800. C'est pas la même échelle, c'est une autre échelle. Ça, c'est un problème épidémique avec des clones épidémiques, c'est un vrai problème. Ça, c'est une. Ces virus qui, tous les deux ans, mettent le feu à la planète, ça occupe les gens, mais ça ne correspond pas pour l'instant à quelque chose qui n'est pas plus particulièrement inquiétant, c'est plutôt moins dangereux que la grippe. Alors, ce que ça deviendra à l'avenir appartient à personne, et donc moi, je suis un scientifique. Et donc je suis prêt à changer d'avis sous la force des événements. Mais pour l'instant, les éléments ne justifient pas qu'on ait un tel degré d'inquiétude. Et quelles sont les pratiques que devraient mettre en œuvre en cette saison hivernale les personnes qui vous écoutent pour se prévenir de la transmission pathogène ? La seule chose dont on ait démontré que ça marchait, c'est le lavage des mains. C'est la seule chose qui a été démontrée. D'accord ? Ça, c'est démontré. La protection dans les familles, pour l'extérieur, ça fait diminuer de manière significative la contamination. Ça a été démontré avec des vraies études de qualité scientifique. Le port du masque, la seule chose qui a été démontrée, c'est pour les médecins qui soignent les patients infectés, c'est le port du masque pour les patients infectés et pour les médecins, c'est-à-dire les gens qui sont dans la proximité immédiate. Il est raisonnable de penser que quelqu'un qui tousse et qui éternue porte un masque de manière à ce qu'il ne le diffuse pas, mais en réalité, bien entendu, les gens qui toussent et qui éternuent se mettent les mains devant la bouche ou devant le nez, ou se touchent le nez et la bouche, et après les virus sont sur les mains, et ça peut être transporté par les mains. Donc pour se protéger en général, le mieux c'est de se laver les mains 10 fois par jour ou se passer de l'alcool sur les mains. C'est comme ça qu'on se protège le mieux, et ça, c'est démontré, il y a des études qui ont montré ça sur le terrain, ça c'est vraiment efficace. Est-ce que des vaccinations sont utiles ? Bien sûr, la vaccination contre le pneumocoque est absolument indispensable. Encore une fois, une partie, les gens, la grippe aviaire qui est peut-être dans notre passé, ce qui fait tellement peur dans les épidémies, dans 97% des cas, les gens qui sont morts de grippe aviaire sont morts avec une surinfection bactérienne, avec des pneumocoques, des hémophilus et des staphylocoques. C'est une des raisons pour lesquelles les formes d'infections respiratoires virales graves doivent être traitées par les antibiotiques. C'est ce qui se passe ici à Marseille. 60% des gens qui rentrent pour une infection respiratoire virale reçoivent des antibiotiques, d'une part. Et d'autre part, c'est la raison pour laquelle il faut faire du vaccin contre le pneumocoque, parce que ça évite la surinfection pneumocoxique, qui est une des surinfections les plus communes. Et c'est très connu que... Il y a un travail dans la littérature qui montre que la vaccination contre le pneumocoque diminue les cas d'hospitalisation par infection virale respiratoire, bien que ce ne soit pas un virus. Donc c'est une association de malfaiteurs, le pneumocoque, le streptocoque, hémophilus, c'est des associations de malfaiteurs avec les infections virales. Il n'y a pas d'un côté les infections virales isolées, les infections bactériennes isolées, tout ça, c'est un changement d'écosystème collectif.